monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un nouveau vlog qui est un vlog d'achat de nouveaux livres. Donc, avant de commencer cette vidéo, abonne-toi, touche sur la cloche ainsi que tu pourras regarder toutes les vidéos que je fais tous les samedis et les dimanches. Lâche un petit like. Maintenant, je vais vous laisser pour mon générique. C'est parti! Donc, ce vlog va se dérouler à La Défense, dans le Westfield, les quatre temps. Acheter de nouveaux livres. Nous sommes déjà rentrés parce qu'on va aller à Fnac. Maintenant, vous allez voir, nous sommes dans le rayon manga, l'un de mes rayons préférés pour quand je cherche des livres. Alors les mangas, vous savez pas. Je vais vous dire quelque chose. En fait, quand je rentre dans une librairie ou quand on voit il y a des mangas, par exemple Fnac, en fait, il y a tellement de mangas que je vois, je suis éblouie et je veux tous les prendre. Tout ce que je connais, je vais les prendre. Là, vous voyez, il y a Demon Slayer, c'est mon animé préféré. Ici, on voit aussi des BD. Il y a plein de BD et plein de mangas. C'est incroyable. C'est pour ça que j'aime bien venir à Fnac, parce que comme ça, après, on peut regarder des livres. Enfin, on peut lire des livres qu'on voudrait lire, comme ça. Et après, on peut en choisir plein, parce qu'il y a toutes sortes de livres. Il y a tout pour tout le monde. Déjà, c'est un beau prénom. Et là, à l'art, on voit la fille à la perle. C'est incroyable. Vous voyez tout ce qu'il y a comme livre. C'est là que vous avez plus envie de tout prendre. Enfin, de prendre tout ce que vous aimez. Regardez, là, il y a les comics, il y a Batman. C'est incroyable. Regardez, il y a même une collection anniversaire. C'est trop bien, vous voyez, il y a tellement de choses trop belles. C'est pour ça, vraiment, si vous avez envie de lire quelque chose, allez dans un endroit où vous allez vous sentir bien et vous allez trouver des choses que vous pouvez aimer. Par exemple, maintenant, là, nous sommes dans le rayon pour enfants. Là, il y a plein de jouets, il y a plein de livres pour que les enfants apprennent à lire, pour qu'ils s'amusent, qu'ils découvrent de nouvelles histoires. Là, par exemple, on a le Choixpeau d'Harry Potter. Là, on a plein de livres d'Harry Potter. La nuit des livres d'Harry Potter, les voyages magiques. Ah, titre intéressant. Alors moi, je prends Spy Family, hein, bien sûr. Et là, vous regardez devant moi, il y a un manga qui s'appelle Tokyo Revenger, avec un fond jaune et deux personnages, enfin un personnage. Là, il y a d'autres mangas. Voilà, donc mon premier livre est Spy Family. Bonjour Luffy. Là, nous avons le personnage principal de One Piece, avec plein de tomes, plein de boîtes avec plusieurs tomes de One Piece. Vous voyez tellement, il y en a plein. Donc maintenant, j'ai décidé de prendre le tome 1 de One Piece parce que je ne l'ai pas, et Spy Family. Voilà, c'est tout ce qu'on va lire pour l'instant. Je suis très contente d'avoir rencontré Luffy. En plus, il est très content.
Aussi, si vous savez pas quoi lire, il faut que vous trouviez quelque chose que vous aimez. Par exemple, moi, ça peut être la mode. Mais il y a d'autres thèmes aussi que je peux aimer. Par exemple, les aventures, tout ça. Alors, vous devez trouver votre choix de choses que vous pouvez aimer. Comme ça, vous allez trouver plein de livres, de plusieurs choix de tout ce que vous allez aimer. Et vous allez avoir plus envie de lire et découvrir plein de nouvelles choses. Ah oui, regardez, il y a les 23 couleurs Stabilo, là. En plus, c'est pour les bureaux et il y a plein de cahiers aussi. C'est pour ça que j'aime aussi venir pour voir plein de fournitures scolaires. Je ne sais pas si vous, ça vous arrive, mais quand vous voyez plein de nouveaux de cahiers dans des rayons et des stylos, vous avez tous envie de les prendre parce qu'ils sont tout nouveaux. C'est incroyable. J'aime trop ces magasins comme ça. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, je les prends. Japan Mania, tellement de choses à découvrir. Bon, moi, je vais m'intéresser à un autre livre pour l'instant, enfin, une pochette. Mais regardez, vous pouvez... Ça, c'est tellement bien de voir des livres que vous aimez, il y en a plein. Devinez qu'est-ce que c'est? Vous voyez les goûts? Vous voyez plein de couleurs? Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je vais acheter? Quelque chose de mystérieux. Alors, bon, bah, vous avez la réponse. C'est un bubble tea. Un bubble tea, c'est une boisson avec un thé et du sirop avec des perles de sirop aussi. Donc là, nous avons plein de choix de sirop avec plein de perles de sirop aussi, plein de choix. Et nous avons un thé. Et en gros, c'est ça. Voilà, donc moi, j'ai pris des perles. Oui, j'ai pris des perles avec goût de mangue. J'ai pris un sirop de mangue. Et c'est très, très, très bon. C'est bon d'être curieux. C'est vrai, c'est une très très bonne phrase. Comme ça, quand on est curieux, on peut apprendre de nouvelles choses. Donc, comme j'ai fini, on a pris les livres. Enfin, j'ai pris les livres que je voulais. Maintenant, je lis un peu dans le train et on va retourner chez moi. Regardez, il n'y a même presque plus personne dans le train. Enfin, là où je suis en tout cas. C'est la fin de la vidéo. J'espère que vous a plu et restez bien sages. Ciao !